À la limite, Simon Magani, il y a de cela 4 ans environ, 3-4 ans, c'est que la MRC, en collaboration avec la municipalité de Port-Daniel-Gascon, c'est qu'on était allé chercher une aide financière pour l'embauche, entre autres, d'une ressource, puis de différentes études. C'était le comité de maximisation des retombées économiques de la cimenterie. C'est sûr que durant les 3 ans, il y a beaucoup de travail qui a été fait, soit qu'on a eu plusieurs rencontres, on a sensibilisé l'entreprise, embauché des gens, des travailleurs locaux, également des entreprises locales. C'est un travail qui s'est fait dans l'ombre, mais qui s'est fait sur une base des 3 années que le comité de maximisation était en opération. Mais durant la dernière année, c'est que on a décidé d'aller en prospection parce qu'on se disait, c'est correct la cimenterie à Port-Daniel-Gascon, il y a peut-être moyen d'y donner une valeur ajoutée. D'y donner une valeur ajoutée dans le sens que si on pouvait attirer d'autres entreprises autour de Ciment Maganis. Ça fait qu'il y a eu une période, durant presque la dernière année, on avait donné à une firme un mandat pour faire de la prospection. Puis la prospection, ce que ça a débouché sur les industries ou les entreprises qui étaient intéressées à faire des affaires autour de Ciment Maganis, autour de la cimenterie, c'était des entreprises, en réalité, au niveau de la captation de carbone ou encore d'utilisation de la biomasse, ce n'étaient pas des entreprises que j'appellerais traditionnelles comme des entreprises pour faire de la brique ou des choses comme ça. Ça fait que de là est né le fameux colloque Défi Carbone. Plusieurs entreprises nationales et même internationales se sont déplacées puis sont venues à ce colloque. On en a appris beaucoup à ce colloque-là. On a beaucoup à apprendre encore. Ça fait que suite à ça, est venue l'idée de la création du pôle des technologies propres de la Gaspésie. Puis là, ce que ça en est rendu, là, c'est que le pôle a été créé. On a présentement une charte. Au niveau du conseil d'administration, il y a Simon Maganis, bien entendu. La MRC du Rocher-Percé, la MRC de Bonaventure. Il y a également le conseil de l'environnement et la municipalité de Port-Daniel-Gascon. De plus, il va avoir 4 membres cooptés, 2 au niveau économique et 2 au niveau de la recherche. Puis ça, personnellement, moi, ce que je peux vous dire à la population, c'est que j'y crois énormément. J'y crois beaucoup parce que je pense que c'est l'avenir. L'environnement, c'est sûr et certain, c'est l'avenir. Ça fait que si on peut capter, un exemple, capter le carbone, c'est pas seulement le capter, là, c'est le transformer. Ça veut dire, si tu captes du carbone, tu le transformes, ça veut dire des nouvelles entreprises. Qui dit nouvelles entreprises, dit lors de la construction des emplois, puis après ça, durant les opérations encore des emplois. Ça fait que, ce qui concerne le pôle des technologies propres, je pense que ça va être très bienvenu dans la municipalité, puis dans nos MRC, soit celle de Bonaventure et du Rocher-Percé.